Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs à présenter en paix la sainte oblation. De notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et soit donc votre âme. Élevons nos cœurs. De te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et sans changer mot. Tu es, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint, du néant tu nous as amenés à l'être, tu nous as relevés, nous qui étions tombés, et tu n'as pas renoncé à tout faire jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce, à toi, à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, pour tous les bienfaits connus ou ignorés de nous, manifestés ou cachés, et qui pour nous ont été accomplis. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie, que tu as jugée digne de recevoir de nos mains, bien que soutiennent auprès de toi des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins aux six ailes, aux yeux innombrables, volant dans les cieux. Chantons, clamons, créant l'hymne de victoire et disons cela. Avec ces bienheureuses puissances, nous aussi, maître, ami des hommes, nous clamons et disons, tu es saint, tu es parfaitement saint, et magnifique est ta gloire. Toi qui as tant aimé le monde, jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. Il est venu, il a accompli tout ton dessein en vue de notre salut. Et la nuit où il fut livré
ou plutôt se livra lui-même pour les vies du monde, il prit un pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit, puis il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous, en rémission des péchés. » À la fin du repas en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Faisons donc mémoire de ce commandement pour notre salut et de tout ce qui a été fait pour nous. La croix, le tombeau, la résurrection au troisième jour, l'ascension au ciel, la place à ta droite, Dieu et Père, le second et glorieux nouvel avènement. Ce qui est à toi et qui vient de toi, nous te l'offrons en tout et pour tout. Encore ce culte véritable et non sanglant, et nous t'invoquons, nous te prions et nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons que voici. Il fait de ce pain le corps précieux de ton Christ. Amen. Et de ce qui est dans cette coupe, le sang précieux de ton Christ. Amen. L'échangeant par ton Esprit Saint. Amen, amen, amen. Afin qu'il soit pour ceux qui communient, sobriété de l'âme, rémission des péchés, communion de ton Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, audace confiante auprès de toi et non jugement ou condamnation. Nous t'offrons encore ce culte véritable pour ceux qui ont trouvé le repos dans la foi, les ancêtres, les pères, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les ascètes, et pour tout esprit juste, accompli dans la foi.